Xôm trình quỳ. Ông chủ mẹ sẽ làm bốn bậc ca bản to cách nào ca sa nít tiêu thi sao nào ca sao nga ca sao nào ca nơi thay nít ông chủ mẹ nâng sắp ca cho lời top rư ca thưa à thà thị bái có sầm co top từ nâng ca đạm hai ai xa cái lứt sầm khăn rồi bỏ xa vị nhá nâng xa mì thủy nô mốc đầm nắng đầm đầm rọt bạ mì đòi cầm mì thủy ca bia cái đấy lục khiêu sầm phón bẹ phón nâng ngang hết ca chênh bọn mình chia nơi ca ri và bia bia nâng sắp xa nạp to mốt bỏ về khí rư sầm nào xông rồi bỏ xa vị nhá ai cái xa ý buôn rồi xam sập mùi hai mươi giang tiết cam Pim Salmani, Min Sama Sompi Mithu V Kapi Kadi, Dukun Chia, Tamriya email, Snai Ong Mathu Kaman Chia Mumplu, Piapon Tanang Kar with Pi Samnaka, Munpe, Bonchum Bankamukni. Hai Dichne Ong Mrahmir Mnong Sadab Sarana, Stol Mort Bopiki, Piapon and Panyani, Muntopi Kas Sadab Sarana, Stol Mort Bopiki, Lu Sama Sommer Bosapianya. Ông chủ mình rất có chú nằm nâng đòi bởi kỳ phong đại thà ông mình rất miệng mà nông trong ca có hai xã xây mình thay mùi rút tiệm tâu nâng ông hết ca chánh bọt mình chia nơi ca ri bà bìa bìa xã xây ní cư chế đà mặt đăng rọt bạc vì ní nâng nông sở nông rương xôn xôn bún đại thạ bệ nhá bàn án nơi cầm nọt hai xã đạp chầm lời rồi bà quát nơi nông sao nà ca lưu ca bằng hành ai kẻ xa kẻ lưu ngay thì bà mùi khai cả nhá chăm bị bọn đọc bà mùi đại miền lê ai kẻ xa y bấy xa là cây xa bà bây một phầy Đức này, ông nhìn thấy mình đang sử dụng một tế dụng bỏ bỏ phía kỳ chung vĩnh ca có hai xã xe rụng ní nơi phía mình chọc ca sử dụng sản áp cho mọt bỏ phía kỳ đưa sầm nào xong rồi bỏ xã bình nhà phòng đài xong phía kỳ tự nhiên rịp chóng nơi ca chạy tốt nông bánh hà ní là anh chị xài bản áo cá lúc xảy ra xài cổ vật thí đang rìa ca xảy bí thân nập hiếp vọt tầm miên à vọt tầm miên phía kỳ nông bộ cố tiếng lái đại ông nhìn thấy có hành chương chỗ rùm សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក្រុមភិក្ខុទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានលើកឡើងតែលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូសហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋបាលវិញនេះអវត្តមានដោយសារមូលហេតុតក្លួនដល់ឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដល់លោកស្នាសុំលះបងសិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបងសិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្រុមជីរួច
Chia đồng bông ní, ông chúng ta xâm rách lưu xâm ná xông rô bó chung chọp chọp nguồn chia chung môn sân. Ông chúng ta bán tự tu lý khách xông rô bóng sức cho ruông sao ná ca đẹp tố. Nông một túc sao ná ca ní rô bó chung chọp chọp nguồn chia. Cho tháng ngày thì bầm bấy khai cả nhà chăm bí bón đọc bầm mối đại bán bình chạy thà. Đại cót miến, bà nhà hà sốc cục hiếp chư ba chư chẳng kết màn ai chẳng cư dụ bán. Màn ai phía trong ở rõm bán dũ, nâng đám bây mình là tập hiếp cho ruông sao ná ca ní khai khẩu mốc ở miền bật sở tập hiếp. Ruông xông đẹp bóng sức cho ruông, nâng miền vọt tập miền đại phía tốt nông một túc sao ná ca nơi tháng ngày thì bầm bấy khai cả nhà chăm bí bón đọc bầm mối. Mì thư vi ca biết ở đây là bọc ruông màn bà rạp bầm bí phá 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 nê ca lẹ bóng sức ní thà. Cả lẽ bóng sức này mình ảnh bỏ sợi thay chứ cả là bóng sức bọc luôn trong các cách đấy đòi dự định thóa. Rưu có sức trong các chúng tôi, tôi nâng phó tăng trong các đạp 2 rồi đại chung tạo là các nước rút về liên này sau nà ca rưu lúc luôn lại. Bạn khuyên cầm nọt hay bình nhất sau cuộc hiệp chung trọng trọng nguồn chia đại thư lãng đại cụ bệnh trăm cá. Bình nhất phía 3 thay tôm sau cuộc hiệp chung trọng trọng nơi ở bộ tòa có cho ngay chung bây khai cả nhà trăm bí bón đọc mối bàn xung quanh có thả. สถานเพียบสกปรกเพียรบ่อลูกนวลเชียในทั้งไงนี้มีนาการะอังกุยูมุกชื่อจังเกสปักใดสดำเตะเตะบันประดานุสาธาสมัยองจุมเรียอนุญาตอายุนวลเชียโจรวมตามด้านเกิดนำนาการสาวนาการปีมตุกขังกรามสาสาวนาการนี่ไอลืมมูลฐานนี่หนึ่งโยงตามบทบัญญัติวิธีไปสมุยปรามในวิธีเตะครองอโวตะกออังจุมเรียยุลปรมในอนุญาตอายุจุนจับจอดนวลเชียโจรวมตามด้านเกิดนำนาการสาวนาการปีจังไง ปีมันทุบคุมครูนมุ้ยทัดในทางกรามซาสาวนาการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอดตัวสำหรับระยะปีสาวนาการเป็นมุ้ยไงนี่บังคับไว้บุกลึกในสอดตัวจั่วประปอนสอดตัวสำหรับจุนจับเจ้านุนเชียไอโจรูมนั่งตามด้านกิจนาการสาวนาการปีจังไงปีมันทุบคุมครูนมุ้ยทัดในทางกรามซาสาวนาการนี้น้องระยะปีในกิจนาการสาวนาการสำหรับไงนี่จิมต่อตอนนี้องจุมเรีย
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je vais, comme d'habitude, commencer par des remarques générales sur les documents présentés avec la remarque habituelle concernant le fait que pour les déclarations écrites qui sont présentées comme documents clés au lieu et place de témoignages oraux, je rappelle que les parties et la défense en particulier est limitée dans l'exercice de son droit à confronter les témoins et la preuve à charge, et que dans ces conditions, la Chambre devra en tirer les conséquences en ce qui concerne la valeur probante, notamment sur des éléments, encore une fois, que la défense n'aura pas pu tester à l'audience. J'appuie particulièrement sur ce point aujourd'hui parce que dans le cadre de, cette présentation sur ce segment, il y a eu des citations extrêmement importantes, extensives de certaines déclarations venant de surcroît d'instructions qui sont différentes de l'instruction qui a eu lieu pour M. Khieu Samphan et que c'est une violation à notre sens encore plus importante de cette possibilité de pouvoir être confronté à la preuve à charge. C'est d'autant plus important, encore une fois, que lorsque l'on prend l'essence de ce que sont ces audiences de documents clés, à savoir les éléments pivots importants, essentiels, a priori, que l'accusation met en avant, les co-avocats des parties civiles également, mettent en avant pour leur argumentation devant la Chambre. C'est quand même très dommageable pour des accusés de ne pouvoir tester cette preuve. Alors, je note, comme ça a pu être fait par le passé, que les co-avocats des parties civiles nous ont donné l'assurance sur les déclarations de parties civiles qu'ils ont souhaité présenter, qu'ils avaient fait au préalable des vérifications. Comme à mon habitude, je vais rappeler que les vérifications faites par les co-avocats des parties civiles, si je ne n'est pas en doute leur bonne foi, n'ont rien à voir avec un interrogatoire à l'audience qui est mené par des équipes de défense qui ont certainement un autre angle que celui des co-avocats des parties civiles. Cela étant rappelé, ça c'est de façon générale sur toutes les déclarations écrites qui ont été présentées, cela étant rappelé, je vais commencer par répondre, mais ça va être l'essentiel de mon intervention aux documents présentés par l'accusation. Et quand je dis répondre, c'est surtout remettre les choses dans leur contexte ou citer des parties de ces mêmes documents qui n'ont pas été cités par l'accusation. Je vais commencer, là ça va être une petite remarque en passant, disons qu'il faut faire attention à la tendance que l'on peut avoir X années, X décennies après les faits, de vouloir trouver dans un passé lointain le germe de la politique des mariages. Et là, j'appuie d'autant plus ce point et cet argument de l'accusation, puisque l'accusation a repris notamment en citant le document E320, les larmes du Cambodge, l'ouvrage de Elisabeth Becker. Il a cité une partie de cet ouvrage en expliquant que les mariages de Pol Pot et de Yeng Sari étaient des mariages de convenance dans lesquels l'amour avait peu de place. C'est la position de Elisabeth Becker. En tout état de cause, je trouve que c'est intéressant lorsque l'on met en avant le mariage donc, de Pol Pot et de Yeng Sari pour expliquer que c'était peut-être plus un mariage d'alliance, etc. Je mets simplement en avant le fait que ce sera certainement un point qui sera intéressant à aborder avec
les experts à venir et éventuellement avec d'autres témoins sur l'importance de la notion du mariage d'amour dans la société traditionnelle cambodgienne. Et quand je dis le mariage d'amour, je veux dire le sentiment amoureux comme un préalable nécessaire à un mariage, parce que, et ça je le dis assez facilement parce que ce n'est pas un propre à la société cambodgienne, dans de nombreuses sociétés, y compris dans les sociétés occidentales encore, il y a assez récemment, le mariage était plus une question de mariage de raison, mariage de convenance, ou encore une alliance de famille venant d'un même milieu socioculturel. Donc ça, ce sont des considérations qui sont intéressantes à creuser dans le cadre des débats qui surviendront. Mais je trouve que c'est intéressant de mettre cette observation en rapport avec la vie d'Elisabeth Bicker sur les mariages de Yen Sari Pol Pot. De la même façon, l'accusation a cité des propos attribués à Nunchia dans l'ouvrage de Tet Samba, Derrière les champs de la mort, E3/4202, en nous expliquant que vous pouvez y trouver l'essence de ce qu'allait être la réglementation du mariage 20 ans plus tard. Là encore, il faut se garder, faut faire attention à ce genre d'extrapolation. Comment le mariage de Nunchia en 56 et la raison pour laquelle il a épousé sa femme serait le terreau de la réglementation du mariage dans un Kampuchea démocratique qui en 1956 n'existait pas dans l'imagination, de Nunchia à l'époque. Je pense qu'il faut faire très attention. Et encore une fois, je pense qu'il faut d'autant faire attention sur les extrapolations que rappeler la citation, une partie de la citation en tout état de cause, faite par l'accusation, donc document E3/4202, ERN en français, 0008-4-9-3-7-8, en Khmer, 00-8-5-8-2-5-4, et en anglais, 00-7-5-4-9-6. Et si l'on en croit Tet Samba, le propos pourrait tenir Nunchia sur le choix de son épouse sont les suivants, je cite: il est difficile de vivre avec une femme qui n'a pas le même but dans la vie. Elle n'aurait pas pu supporter de lutter avec moi, a-t-il dit. J'ai donc choisi une personne qui avait la même détermination que moi. Peu importe si une fille est charmante et jolie, ce n'est pas son corps que je choisis, mais ses idées et sa personnalité. Fin de citation. Alors je veux bien que l'accusation estime que tout propos antérieur qui sort de la bouche des accusés correspondrait éventuellement à un plan pour la commission d'un futur crime. Mais je pense quand même qu'on peut convenir, au moins sur cette partie des déclarations de Nunchia, que prononcée par n'importe qui d'autre, il n'y aurait pas eu de critique particulière, en tout cas de commentaire particulier. On peut effectivement choisir un conjoint plus par un projet de vie commun que par des caractéristiques physiques. Donc ça, encore une fois, c'était pour rappeler qu'il faut faire attention aux extrapolations en prenant comme fondement la vie privée des accusés. J'en viens maintenant sur les documents et discours évoquant, selon l'accusation, l'augmentation de la population, c'est-à-dire en lien avec les mariages. Et je tiens à noter de façon générale sur cette première partie de document qui a été présentée par l'accusation que, contrairement à ce que l'accusation soutient, eh bien, il n'y a aucune mention du mariage dans ces documents. Certes,
On parle d'augmentation de la population, mais à chaque fois dans un contexte particulier, un contexte où on évoque également les conditions de vie et ce qui est fait pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population. Je vais prendre un exemple, quelques exemples. Le document E3-1-5-8-6 qui a été cité par l'accusation, qui est un discours de Yang Sari du 11 octobre 1977 devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le document donc, à l'URL en français 00-6-1-7-7-9-5-97. Et ça va être plus simple, puisque ce sont des paragraphes, hein, c'est au paragraphe 60 qu'une des citations avait été faite par l'accusation. Et dans ce paragraphe 60, effectivement, au fin, à la fin de ce paragraphe, à la fin de ce paragraphe, on évoque les conditions de vie et la santé du peuple. Et voilà ce que dit Yang Sari. Nous nous efforçons d'améliorer très rapidement les conditions de vie et la santé du peuple, car nous avons besoin d'avoir une population de 15 à 20 millions d'habitants d'ici 10 ans. Ça, c'était une partie de la citation de l'accusation. Ce qui est intéressant, c'est que ce paragraphe arrive, enfin, cet extrait arrive à la fin du paragraphe 60, qui lui débute comme ceci. Je cite, dans les domaines social et sanitaire, pour assurer rapidement la santé de toute la population, nous formons des médecins révolutionnaires animés d'un profond amour pour le peuple et d'un haut esprit d'abnégation. Et nous produisons des médicaments à partir des simples existants dans le pays. Donc, pour remettre la citation effectuée par l'accusation dans le contexte, c'est parce qu'on parle du domaine social et sanitaire que l'on parle ensuite de l'augmentation de la population. Il n'y a aucun lien qui est fait avec le mariage. C'est un point qui est important également parce qu'au paragraphe 45, dans toutes les langues de ce même discours, l'accusation a cité une partie en fin de ce paragraphe 45 de ce discours de Yang Sari en évoquant le fait que Yang Sari parle à ce moment-là de la taille du territoire du Kampuchea démocratique et du nombre de ses habitants. Sauf que dans le contexte de ce paragraphe 45, nous en sommes et je donne les URL peut-être pour les interprètes, éventuellement qu'ils arrivent à s'y retrouver. 00-6-1-7-7-9-5 en français, et en anglais 00-00, donc 5x0-7-9-8-1-3, paragraphe 45. Et cette description du territoire et du nombre d'habitants dans le cadre de l'intervention de Yang Sari se situe dans les déclarations qu'il fait au sujet du passé et des problèmes qu'il peut y avoir avec les voisins et notamment le Vietnam. Et voilà ce qui est dit précisément auparavant, et je débute donc au paragraphe 45. Le peuple du Kampuchea désire vivre en paix, dans la dignité et l'honneur, en tant que maître de son pays, édifier une société conforme à ses profondes aspirations et suivre ainsi une voie qu'il a lui-même choisi en toute indépendance et souveraineté. Ce sont là des principes sacrés auxquels il tient fermement. Et dans le passé, des siècles durant, notre peuple a été réduit à vivre dans l'esclavage le plus infâme. Notre pays, soumis à l'exploitation et à la domination des féodaux et des réactionnaires étrangers, des colonialistes et des impérialistes, avaient perdu beaucoup de ces territoires.
Ces frontières actuelles sont les résultats funestes des actes d'agression, d'expansion et d'annexion dont il a été continuellement objet de la part de l'étranger. Depuis le 17 avril 1975, date de la libération totale et définitive du camp Pachéa, notre peuple est devenu le véritable maître de son pays et de sa propre destinée. Il est animé d'un patriotisme ardent et juste. En dépit de son douloureux passé historique, il ne désire aucunement rouvrir de vieux dossiers. Il tourne franchement ses regards vers le présent et vers l'avenir. Il ne nourrit aucune inimitié ni aucune visée d'agression, d'expansion et d'annexion aux dépens d'aucun pays, ne serait-ce que pour un seul emploi de terre. Notre pays est petit et peu peuplé. Sa situation géographique et son régime politique ne le prédispose nullement à commettre des actes d'agression à l'encontre d'autres pays. Les pays petits et faibles n'avaient pas les grands pays, c'est comme ça qu'on lit en français. Dans l'histoire du monde, seules les classes dirigeantes réactionnaires des grands pays, du genre d'Hitler, inventent des prétextes pour provoquer les petits pays, les accuser d'agression et se servent de ces prétextes pour commettre des actes d'agression à l'encontre des petits pays et agrandir leur territoire aux dépens de ces derniers. Le Kampuchea démocratique n'a aucune motivation qui le pousse à agresser l'autre. Fin de citation. Et c'est ensuite que vient la citation effectuée par l'accusation où il évoquait le nombre d'habitants en Khmer. Là encore, dans le contexte de ce discours, c'est important de remettre les choses dans ce contexte. Dans ce contexte, on ne parle pas du mariage, on ne parle pas de l'augmentation de la population comme ça pour le mettre en lien avec la politique familiale. On parle de ce nombre de population pour mettre en parallèle la différence entre le petit pays tel qu'il est décrit par Yen Sari, qui est le Cambodge, et une puissance plus importante qui est le Vietnam. Les anciens pays coloniaux. Là encore, c'est important de souligner ce point parce que à sortir les éléments de leur contexte et à prendre des tronçons de discours pour supporter son argumentation et bien l'accusation des formes. Je peux faire les mêmes observations sur un autre document d'époque, c'est le document toujours du ministère des Affaires étrangères du Kampuchea démocratique, document E3-1385, ERN en français 005-24-093, ERN en Khmer 0 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
en préambule à savoir que à chaque fois que l'on parle dans les discours des leaders du Cambodge démocratique de l'augmentation de la population, c'est toujours en lien avec la question de la santé, du développement du pays et surtout de l'amélioration des conditions de vie de la population. Je cite l'intégralité du passage pour que l'on comprenne bien le contexte de toutes les déclarations. Première phrase qui avait été citée par l'accusation. Dans le domaine des affaires sociales et de la santé, nous avons connu un développement considérable également. Voilà ce que je rajoute et qui existe dans le paragraphe. La santé de notre population, à l'heure actuelle, est de plus en plus solide, à un degré supérieur. De manière générale, nous avons réussi à éradiquer le paludisme. Et nous sommes en train de continuer à consolider et à multiplier les résultats qu'on a obtenus sans nous arrêter un instant. Quelques lignes plus bas.
d'entretenir et d'améliorer les conditions de vie de notre population. Il faut également prendre soin de la santé de notre population pour qu'elle s'améliore encore plus dans la perspective d'une croissance démographique le plus rapidement possible. Merci, bonjour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges. Effectivement, c'est une erreur de ma part. C'est bien le standard révolutionnaire de septembre 78 que je viens de citer. La note du ministère des Affaires étrangères qui reprend le même principe, à savoir que lorsqu'on parle de l'augmentation de la population, on parle de rendre le pays plus prospère améliorer les conditions de vie de la population. Un autre document qui est important, qui a été cité partiellement par l'accusation, c'est le fameux discours de Pol Pot que l'on retrouve à la fois dans la vidéo E3-7233R et le document FBIS-E3-290 qui sera a priori un discours de Pol Pot qui en tout cas apparaît sur ce document en octobre 77. Et intéressant que là encore, lorsqu'il parle de l'augmentation de la population, c'est le RN en anglais, et voilà ce qui est dit en anglais. Our people's health is excellent. Various diseases, particularly those handed down from the old society and certain addictions, have been basically wiped out. We are now concentrating on the eradication of malaria. In 76, the first year of the four-year plan for the eradication of malaria, we have already realized 70% to 80% of our program objectives. We continue to strive to improve the conditions of life and health of our people because we hope to increase our population to 15 to 20 million in the course of the next 10 years or more. Next paragraph.
The good results thus achieved by our Cambodian people under the correct and clear-sighted leadership of the Cambodian Communist Party constitute stirring new victories of the present phase of our Cambodian revolution. However, in terms of the expressed desire of our people, they still fall short of the targets. The road ahead is very long one. Thus, we must double our efforts. We must further improve the standard of living of people in all fields so that each person continues to be strong, healthy, and to have a resolute sense of patriotism and so that the Cambodian people in general can increase in number quickly enough to effectively defend and build our Cambodia into a prosperous and development country by leaps and bounds. Fin de citation. Il ne s'agit pas de dire On peut retrouver également ce même ce que je viens de dire dans l'analyse qu'on peut avoir d'un entretien du Moncheya. C'est un entretien de 1981 qui a été également cité par l'accusation, document de l'espoir 6 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
Le premier paragraphe de cette page, le gouvernement du Cambodge a-t-il concernant la population et le développement au Cambodge. Le premier paragraphe. Et je voudrais reprendre à la fin du premier paragraphe pour citer les deux paragraphes qui suivent pour remettre ce paragraphe dans le contexte. Donc là, c'est que, évidemment une analyse a posteriori, puisque nous sommes en 81, mais c'est intéressant de noter ce qui est dit par Mounchia à ce moment-là. Donc il parle de l'augmentation de la population en 77 et il dit fin de ce premier paragraphe. Cette augmentation fut le fruit de la politique du Cambodge démocratique tendant à la protection de la vie des citoyens, principalement en résolvant et en améliorant les conditions de vie. Deuxièmement, nous avons tendu à l'éradication du paludisme dans toutes les régions du pays, des villes au fin fond de la campagne. Avant que le Kampuchea démocratique ne gouverne le pays, 80% du peuple Khmer, plus particulièrement ceux vivant
vivant au fin fond de la campagne souffraient du paludisme. Chaque année, des milliers de Cambodgiens, personnes âgées, adultes, enfants et bébés, mouraient du paludisme. Pour la fin 1977, nous avions réduit la fréquence du paludisme de 80 à 90%. Le nombre de Cambodgiens qui seraient décédés du paludisme a donc été réduit de 80 à 90%. Parallèlement, nous nous sommes efforcés d'éradiquer complètement plusieurs autres maladies qui avaient été pratiquement vaincues. Troisièmement, nous nous sommes efforcés de former toutes sortes de médecins, en particulier ceux qui se spécialisent dans le traitement de tout type de maladies, comme la diarrhée, la dysenterie, le pian et les maladies oculaires qui menaçaient les pauvres dans toutes les localités, ainsi que dans les sièges provinciaux et à Phnom Penh. Nous sommes également efforcés de produire toutes sortes de médicaments traditionnels et modernes. Nous achetions des médicaments à l'étranger pour environ 8 à 10 millions de dollars chaque année. Grâce à la politique du Cambodge démocratique, à savoir la protection des citoyens et la mise en œuvre de ces mesures, notre population khmer s'est accrue, comme je l'ai déjà dit. Fin de citation. C'est intéressant de noter ici que, comme pour tous les autres documents qui avaient été cités par l'accusation, ce qui est mis en avant par les leaders n'est pas une politique du mariage, mais une politique de règlement sanitaire et une politique de tentative d'éradiquer les plus grandes causes de mortalité. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire est-ce que si, la politique telle qu'elle est présentée par les leaders a eu du succès ou non dans la manière dont elle a été appliquée, mais de noter que si l'on veut s'attacher aux déclarations des leaders, voilà ce qu'ils disent, ils ne disent pas autre chose. Un autre document qui a été utilisé par l'accusation et pour lequel je voudrais dire une partie qui n'a pas été citée, c'est le document E3-25, qui est un étendard révolutionnaire de décembre 1976. ERN en Khmer 00000630354. ERN en anglais 00491435. ERN en français 00504063. La fin du paragraphe qui a été cité par l'accusation, celui comme ceci. Pour pouvoir augmenter la population rapidement, les conditions de vie et la santé de cette population doivent être améliorées à coup sûr. Donc, il est alors impératif de faire de la production générale à une grande vitesse. Et voilà ce qui est dit, et que je rajoute qui n'a pas été cité par... L'accusation. Les fonds qui viendraient de l'exportation seraient réservés pour élargir le secteur agricole, le secteur industriel et pour subvenir aux besoins de la population. Il n'y a rien d'autre en dehors de tout cela. Fin de citation. Donc là encore, c'est un paragraphe que je tenais à rajouter parce qu'il y a un lien aussi avec la déclaration de Nunchia de 80 qui évoque l'achat de médicaments. C'est un point qui a été également abordé lorsque l'accusation a cité une partie d'une déclaration d'un témoin sur la question de savoir mais où allait le riz, est-ce qu'il y avait du riz à l'exportation, est-ce que vous savez où ça allait ou pas. Nous savons, nous avons des documents de ceux disant que oui, il y avait du commerce extérieur dans le cadre du Cambodge démocratique, tout simplement parce qu'aucun pays ne peut vivre sans aucun commerce extérieur et que c'est parce qu'on a réussi à avoir des devises avec le commerce extérieur que l'on arrive à acheter des choses qui ne sont pas produites dans le cadre du pays. Et je renvoie ici à ce qui avait pu être dit lors des audiences de documents clés, notamment sur les sites de travail, avec un certain nombre de déclarations et d'extraits d'étendards révolutionnaires ou
de discours évoquant la nécessité d'acheter du matériel agricole pour permettre une agriculture qui soit plus mécanisée que ce qu'elle existait jusqu'à présent au Cambodge. Vient ensuite un autre document cité par l'accusation, c'est un discours attribué à Khieu Samphan à la date du 17 avril 1978. C'est le document E3-5-6-2. Donc le RN en français est le 00280381 et ça se poursuit sur la page suivante. Le RN en anglais est le S00010565 et le RN en Khmer est le 00249991. Dans cette partie qui est intitulée « Dans le domaine de l'amélioration du niveau de vie de la population », l'accusation a cité les points 5, 6 et 7 qui arrivent donc en dernier dans la liste. Et je voudrais, pour que la citation soit complète, citer les points 1 à 4 qui sont mentionnés dans ce discours. Donc je cite, dans le domaine de l'amélioration du niveau de vie de la population, petit 1, s'efforcer d'apaiser rapidement et d'améliorer le niveau de vie de la population en termes d'alimentation, d'habillement, de santé, de culture et d'éducation. Petit 2, appliquer fermement le rationnement des vivres déterminé par le parti tout au long de l'année. Petit 3, les bons cadres et les bons membres du comité sont ceux qui sont animés par la résolution et l'amélioration des conditions de vie des masses dans tous les domaines et de façon constante, qui ont là le sens des responsabilités et qui font preuve d'ingéniosité et d'initiative. Petit 4, lancer un projet visant à observer l'hygiène de base dans toutes les coopératives, les usines, sur tous les lieux de travail, dans tous les ministères et départements, à Phnom Penh et dans le reste du pays. Et ce n'est que dans ce contexte que nous avons ensuite les points 5, 6 et 7 qui évoquent l'amélioration des conditions de vie et ensuite l'accroissement de la population, sachant que dans ce contexte-là, l'accroissement de la population vient à la suite des mesures qui ont été données précédemment, que je viens de dire. Un autre document sur lequel je souhaite également revenir est l'extrait qui a été cité de l'ouvrage de Khieu Samphan E3-16, l'histoire récente du Cambodge et mes prises de position, qui a été cité à l'ERN en français 00639883. Et en Khmer, 00380467. Vraiment, j'ai un problème. Excusez-moi. Ce passage que je viens de citer est plutôt. Les ERN que je viens de citer plutôt correspondent donc à E3-16 et je lis le premier paragraphe qui a été cité par l'accusation commence par « Monsieur Philippe Short a raison quand il a écrit « Pol Pot n'avait pas l'intention de réduire le nombre d'habitants ». Bien au contraire, il avait l'objectif de doubler ou de tripler la population. Concrètement, il voulait que la population cambodgienne atteigne 15 millions ou 20 millions de personnes en 10 ans. C'est entre guillemets. Ce nombre étant nécessaire pour concrétiser ces différents projets qui apporteraient la puissance et la prospérité au pays. Cependant,
Comment était-ce possible de les réaliser si les femmes étaient incapables d'avoir leurs menstrues à cause de la malnutrition? La direction a reconnu ce problème. Ça, c'était la fin de la citation par l'accusation. Je rajoute maintenant ce qui vient après, parce que c'est important dans la manière dont l'accusation a fait cette citation de l'ouvrage de Khieu Samphan. On a l'impression que Khieu Samphan confirme par ses connaissances ce que dit Philip Short. Or, lorsqu'on lit la suite de cette partie de son ouvrage, on comprend que Khieu Samphan fait comme il a souvent tendance à le faire, des commentaires et son interprétation de ce qu'il a lu dans l'ouvrage de Philip Short. Et la suite dans les résolutions du comité permanent de l'époque et dans les discours de M. Pol Pot prononcés en réunion du parti à huis clos, il est mentionné à maintes reprises qu'il était nécessaire d'assurer une ration alimentaire convenable, c'est-à-dire 500 grammes de paddy en moyenne chaque jour pour chacun. Dans une conférence qu'il, Pol Pot, a organisé dans la zone ouest, il a souligné que le remède le plus important était la nourriture. La résolution de la question alimentaire était le point clé du problème. Deux mois plus tard, Pol Pot a reparlé de cette question. Il cite : Nous devons résoudre le problème des moyens de subsistance des habitants. Il faut résoudre cette question rapidement. Sinon, nous aurons des conflits entre nous. Et c'est intéressant de noter que ce passage a une note de bas de page et que la note de bas de page cite la page 321 en anglais de Philip Short, Pol Pot, The History of a Nightmare. Khieu Samphan poursuit, et je continue ma citation, l'auteur, donc en parlant de Philip Short, a cité le procès-verbal comme si après, la ration du riz décortiqué doit être de deux boîtes de conserve de riz décortiqué par jour, sinon l'état de santé des gens et leur force physique vont se dégrader. Là encore, note de bas de page, citation d'un procès-verbal de réunion du comité permanent, lui-même cité par Philip Short. Et d'ailleurs, c'est ce que rajoute Khieu Samphan dans son ouvrage, toujours en évoquant Philip Short, il poursuit. L'auteur a remarqué que comme ces documents, surtout le procès-verbal du comité permanent, n'étaient diffusés qu'à moins de 10 personnes et que c'était des documents ultra confidentiels qui n'atteignaient pas un large public, on pourrait conclure que les idées exprimées par Pol Pot dedans étaient sincères. Fin de citation. Donc là encore, c'est important de remettre la citation dans le contexte et rappeler qu'à ce moment-là, Khieu Samphan commente l'ouvrage de Philip Short. Une autre citation qui a été incomplète, et là c'est intéressant parce que c'est de l'ouvrage de Philip Short et que la partie non mentionnée correspond au propre mariage de Khieu Samphan. Voilà ce que dit Philip Short. Donc c'est le document E3-9, donc Pol Pot, Anatomie d'un cauchemar. ERN en anglais 00396533, et ça se poursuit sur la page suivante. Et ERN en français 00639883. L'accusation a cité la compréhension de ce qu'était la politique familiale du PCK par Philip Short. Mais voilà, au milieu de la citation, la phrase qui n'a pas été citée, c'est la suivante. Khieu Samphan se maria en décembre 72 parce que Pol lui demanda de le faire et joua personnellement les intermédiaires. Traditionnellement, dans la société Khmer, les mariages avaient été arrangés par les familles. L'Ankar joua désormais ce rôle. Fin de citation. Une citation qui trouve son intérêt dans le fait que ce sont des thèmes que nous allons aborder
avec les experts et dans la discussion générale sur les mariages, sur la question de ce qu'est un mariage arrangé au sens traditionnel. Un autre document d'époque sur lequel je souhaite revenir, et une citation également partielle d'un jeunesse révolutionnaire, document E3-750, qui a été faite par l'accusation. Il s'agit de l'URN en Khmer 00063-6-1-6, l'URN en anglais 00-5-2-2-4-6-1 et l'URN en français 00-5-2-5-8-5-8. L'accusation a cité cette première phrase. La propriété sentimentale, c'est la préoccupation, c'est la pitié, c'est la mélancolie, c'est l'amour de sa propre famille seule, de sa propre parenté, de ses propres frères et sœurs, de ses propres parents. Et c'est ici que l'accusation s'est arrêtée. Et il est intéressant de noter que cette propriété sentimentale n'est pas mise en opposition avec une vision de la famille qui serait une vision simplement égoïste ou une vision simplement collective de la part du PCK. Simplement, voilà ce qui est dit sur la suite. En revanche, par rapport à la population, qu'elle soit malade, qu'elle ait faim ou qu'elle meure de faim, on s'en bat l'œil et on considère que c'est normal. Autre cas de figure, on n'aime que ceux qui savent flatter, courtiser, lécher les bottes. Quant aux combattants et combattantes qui se sont efforcés de travailler parfaitement mais qui ne sont pas allés brosser leurs chaussures, on en est indifférent, ou on pourrait même en être insatisfait. Tout ceci représente des phénomènes dysfonctionnels qui ont été tous causés par la position de la propriété individuelle et personnelle. Fin de citation. Donc là, dans ce contexte, la citation n'a pas pour vocation à critiquer la vision de la famille, le fait d'avoir une famille, mais le fait que de penser simplement à, d'un point de vue personnel sans se soucier du reste de la population est un problème. Et ça, je mets cette citation en parallèle avec des dysfonctionnements et des mauvais comportements que l'on a pu évoquer dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir par les cadres locaux. Ce que l'on constate dans cet étendard révolutionnaire, c'est qu'on considère que ne pas s'occuper du bien-être de la population est considéré comme un phénomène dysfonctionnel. C'était important de le souligner puisque on dit beaucoup du côté de l'accusation que la politique du PCK se retrouve dans les étendards révolutionnaires. C'est important de noter à ce moment-là ce qui ne correspond pas au niveau de la pratique à ce qui a pu être préconisé dans certains documents. De la même façon, très brièvement sur le document E3-732, l'accusation nous a longuement lu ce jeunesse révolutionnaire évoquant l'histoire de la révolutionnaire Thorn en nous expliquant qu'il s'agissait de la vision de la famille du PCK. Je rappelle simplement pour mettre les choses dans leur contexte que l'histoire de la révolutionnaire se passe en 1971 et que c'est plus une histoire visant à exalter les sacrifices qui ont pu être effectués pendant la période
où il y avait le combat, le combat avec les troupes de l'ONNOL, que une vision particulière de la famille. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire la suite qui n'a pas été citée par l'accusation à ce document. Donc, c'est à l'ERN en français 00611527. Le RN en Khmer 00064309. Il y a le RN en anglais 00392451. Je vous rappelle que l'histoire telle qu'elle est rapportée se situe en 1971. Et voilà ce qui est dit. Les ennemis devenaient de plus en plus atroces, de plus en plus féroces et de plus en plus fascistes. Ils ne cessaient de mener des opérations qui tendaient à réprimer et persécuter les habitants innocents du district de Mukkampul, ainsi que de toutes les régions qui étaient sous leur occupation. Voilà, dans ce contexte, ce qui est raconté. Donc là, on parle d'une histoire qui vise à rappeler ce qui s'est passé dans le district de Mukkampul au moment où il y avait les troupes de l'ONNOL et pendant le régime pré-Kampuchea démocratique. Il est important de resituer ces différentes citations qui ont été utilisées par l'accusation dans le contexte dans lequel ces citations ont été faites. Et c'est d'autant plus important que ces citations sorties de leur contexte sont la base de la conclusion de l'accusation par la suite, qui était de dire la défense vous cite régulièrement le point numéro 6 des 12 principes moraux, donc qui sont rappelés dans le document E3/765 à l'ERN. C'est le point numéro 6, c'est dans toutes les langues. Et l'accusation, en gros, nous dit, mais on ne peut pas comprendre cette règle si on ne comprend pas qu'elle est en fait, elle n'a pas le sens qu'on indique qu'elle l'a, parce que il y a ces autres éléments que nous avons cités auparavant. Ça, c'est la position de l'accusation. Je rappelle quand même que c'est important de dire que cette règle a été écrite noir sur blanc et que c'est, ça fait partie des principes qui étaient régulièrement énoncés dans le cadre du Kampuchea démocratique, de la formation des cadres et en général de la population. Il est important aussi de rappeler que ce n'est pas parce qu'une règle a été violée ou n'a pas été appliquée que ça veut dire que les personnes qui l'ont initiée, le législateur ou en l'occurrence, ici, le PCK a énoncé un principe, et ce n'est pas parce qu'on a violé ce principe que le PCK n'avait pas l'intention de faire en sorte qu'il soit respecté tel qu'il a été écrit. Et c'était, c'est très clair lorsqu'on lit cet article 6, des 12 points de la morale révolutionnaire, que lorsqu'il y a un mariage, il est nécessaire qu'il y ait le consentement des deux intéressés et le consentement de la collectivité. Lorsqu'on prend n'importe quelle règle de mariage dans n'importe quel pays, on constatera que la question de l'autorisation du mariage de la collectivité est aussi un élément qui intervient. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la publication des bans, par exemple, dans certaines, dans la plupart des sociétés occidentales. Donc, en tout état de cause, de dire que parce que il y a eu des violations de cette règle telle qu'elle a été rappelée dans cet étendard révolutionnaire E3/765, de dire que cette règle a été violée et qu'elle elle ne voudrait rien dire, ça reviendra à dire que parce qu'il y a dans n'importe quelle société des crimes ou des viols qui sont pourtant commis quand il y a un code pénal les prohibant, ça ne veut pas dire que la règle n'existe pas et qu'elle n'avait pas l'intention d'être appliquée. Donc,
qu'il y ait des violations, nous n'en disconvenons pas, mais de dire que c'était l'objet et le but de la politique du PCK, c'est un pas qu'on ne saurait franchir. Viennent ensuite, en dehors de ces documents d'époque et de ces discours de certains dirigeants, vous avez par la suite l'utilisation par l'accusation de beaucoup de documents et de déclarations écrites ou d'ouvrages rapportant les propos d'entretien. Et là encore, je suis obligée de dire qu'il faut faire attention aux extrapolations et aux interprétations tout à fait personnelles de M. le coprocureur. Je prends pour exemple le document E3-1094 qui a été cité par l'accusation. On évoque, l'accusation évoque un suicide qui a été rapporté dans ce rapport de juillet 78 et où nous indique que, en fait, l'explication qui est donnée par le cadre serait une explication erronée en disant qu'il ne savait pas les causes du suicide parce que lui, l'accusation, parce que lui, M. le coprocureur, estime que la cause du suicide serait le mariage. D'où vient cette affirmation, on ne sait pas. C'est une interprétation de la part de l'accusation. En tout état de cause, il faut encore une fois se garder de ce genre d'extrapolation. Un autre point qui a été mis en avant par l'accusation est un rapport dans lequel on évoque le nombre de couples qui ont été mariés. Donc c'est un rapport de E3-1092, ERN en français 00611449, et ça se poursuit sur la page suivante, ERN en anglais 00289924, ERN en khmer 00143579. L'accusation a cité le dernier paragraphe de cette rubrique qui s'intitule « Les conditions de vie de la population ». Et c'est le tout dernier paragraphe qui mentionne le nombre de mariages qu'il y aurait eu dans le district 26 et la région 32. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que cette mention est anecdotique par rapport à tous les autres éléments qui sont mentionnés dans cette rubrique, et je vais lire. Donc, les conditions de vie de la population, les problèmes de vivre, deux points. En général, on mange du riz consistant le matin et le soir. Mais maintenant, les vivres sont mélangés à du maïs et aux patates en partie. Les mets qui accompagnent le riz consistant, deux points. Le poisson, la viande et les légumes, on en a trouvé modérément. Le problème du dessert. Il a été résolu selon le régime qui a été fixé par le parti dans une certaine mesure. Dans certaines régions et dans certains districts, on ne l'a pas encore appliqué régulièrement. Le problème du logement. On a pris soin de construire, de faire des toitures et d'édifier des murs de façon convenable au fur et à mesure. Le problème de la santé du peuple. En général, les gens ne sont pas trop malades. Cependant, dans certaines bases, il y a encore des maladies comme de la fièvre, des diarrhées et des œdèmes. Et dans la région 37, durant cette semaine, il y avait beaucoup de malades qui souffraient de la fièvre par rapport au mois précédent. Cela venait de la pluie qui tombait abondamment tous les jours. De plus, on a lancé l'offensive du travail encore plus fortement parce qu'il y a suffisamment de semences et de l'eau. De ce fait, on se bat tous les jours. Les mesures, deux points. On a constitué un corps de soignants de tous niveaux pour qu'ils aillent sur le terrain et pour qu'ils suivent à la trace les maladies fréquemment. Par ailleurs, on a veillé à ce que l'hygiène soit respectée, consommer de l'eau bouillie et balayer les maisons régulièrement.
Vient ensuite le dernier paragraphe cité par l'accusation. La fondation des familles, deux points. On a marié 10 couples dans le district 26 et la région 32. Et reste de la citation. Donc ça, c'est important de noter que le mariage ne vient pas en premier lieu sur la question de l'augmentation de la population. Il vient dans le cadre des conditions de vie de la population. Et il vient en dernier parce que ce qui est le plus important, et ça, a priori, ce serait en lien avec ce qui a été dit dans les discours tels que je les ai rappelés précédemment. Ce qui est important, c'est de s'attacher aux conditions de vie de la population. Je vais aller très rapidement sur les déclarations écrites et les extraits d'ouvrages évoquant des entretiens avec des témoins, enfin, des personnes qui ne sont pas témoins devant cette chambre et donc pour lesquelles nous n'avons pas de possibilité d'interrogatoire. Simplement pour rappeler que notamment dans l'ouvrage d'Elisabeth Becker qui a été cité à plusieurs reprises, souvent il y a des affirmations qui sont fondées sur des entretiens qui sont isolés. C'est le choix de l'auteur et c'est son droit le plus strict de faire des affirmations générales, mais on saurait utiliser ce même concept lorsque nous sommes devant une enceinte judiciaire où la confrontation à la preuve est importante et où une déclaration ne saurait permettre de tirer une conclusion générale. Petite observation également sur l'ouvrage de Raoul Génard, cité par l'accusation, spécifiquement d'ailleurs pour citer un ouvrage de Samdem Sihanouk. L'ouvrage de Raoul Génard, 3/3993, que dire si ce n'est que c'est un document extrêmement daté, puisqu'il a été rédigé à l'époque où il y avait, c'était encore en cours d'instruction, que très peu de documents sont utilisés par l'auteur et que surtout il s'agit plus d'un pamphlet que d'un ouvrage académique. En tout état de cause, j'ai bien compris que l'objet de la citation de ce passage de l'ouvrage de Raoul Génard avait pour but d'évoquer l'ouvrage de Norodom Sihanouk, document 3/2813. La Chambre a certainement en mémoire la citation effectuée par l'accusation sur ce point. On comprend en tout état de cause que Norodom Sihanouk ironise sur la position de Khieu Samphan, mais malgré tout, lorsque l'on lit son ouvrage, on note qu'il est quand même bien obligé d'indiquer que Khieu Samphan n'a jamais parlé de mariage forcé. Quant à son analyse de ce qu'était le mariage de soldats handicapés, j'ai envie de dire que sa comparaison avec la créature de Frankenstein entre les soldats handicapés et l'ouvrage connu sur la créature me paraît quelque peu indélicat. En tout état de cause, nous aurions pu, si la Chambre avait accordé, comme nous l'avions demandé, la comparution de Samdem Sihanouk à l'époque où il était encore en vie. Malheureusement, c'est trop tard. Nous serons donc obligés de nous contenter de ces éléments sans possibilité de l'interroger. Mais en tout état de cause, évoquer, comparer des soldats handicapés à la créature de Frankenstein lorsque bon nombre de ces soldats se sont engagés à la suite de l'appel de Norodom Sihanouk pour lutter contre le régime de Lonnol nous paraît à tout le moins problématique. Et le dernier point que je noterai, sur ce passage pose aussi une question de cohérence avec la preuve qui a été apportée jusque-là, puisque si j'ai bien compris, ça ressort des éléments qui sont
mis en avant, que ce soit par l'accusation ou par l'avocat des parties civiles lorsque sont interrogés les témoins ou les parties civiles, à savoir que si on était sur la nécessité de mariage avec des gens ayant des biographies similaires, alors l'affirmation selon laquelle, et je cite, et ce sera la fin avant la pause, Monsieur le Président, je sais que j'arrive à terme, l'affirmation qui figure donc sur l'ouvrage de Norodom Sihanouk E3-2813 en Khmer 00632843, et ça se poursuit sur la page suivante, en anglais 00632939, et en français 00395353. Quand on nous dit « Mais de là à accepter de quêter de cœur l'idée de sacrifier de gentilles vierges sorties de nos collèges, lycées et universités sur l'autel d'une telle forme de patriotisme, il y a un fossé que notre esprit ne saurait franchir. » Fin de citation. J'ai compris des dépositions qu'il y avait jusqu'à présent que les soldats. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vais essayer de ralentir. Donc, je disais simplement que cette affirmation sur laquelle il y aurait eu des jeunes filles de collège, lycée, université qui auraient été mariées à des soldats handicapés ne correspond absolument pas à la preuve qu'on a pu entendre jusqu'à présent, qui était de dire que les soldats handicapés étaient mariés à des personnes qu'on estimait comme étant des personnes révolutionnaires et engagées depuis longtemps, et donc a priori pas des personnes qui seraient ressortissantes du peuple nouveau. Donc voilà l'observation que je tenais à faire sur ces déclarations, qui encore une fois sont des déclarations propres à Norodom Sihanouk et pour lesquelles nous n'avons pas de possibilité de confronter d'autres éléments, puisque nous n'avons pas pu avoir sa comparution dans le cadre du procès 02-1. Et j'ai encore quelques documents à commenter après la pause, mais je n'en aurai pas pour longtemps après. លោកប្រធានក្រោយពេលជប់សម្រាប់ខ្ញុំត្រូវការពេលបន្តិចទៀតដើម្បីធ្វើការអធិប្បាយតទៅទៀតអរគុណលោកស្រីមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ឲ្យអង្គជំនួយប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីនេះតទៅសូមអញ្ជើញសម្រាប់